Je sais, j'ai la gueule dans le cul. Salut Dira, salut Anto, salut Ethias, merci Cyril pour ton bon anniversaire. Eh ouais, 43 ans aujourd'hui. Salut Guigui, salut Titam, salut Joe, salut Wizbot, salut Tato. J'ai la tronche dans le cul, je suis désolé. J'ai eu passé une nuit de merde, et c'est pas pour mon anniversaire. Hein. Non, j'ai passé une nuit de merde parce qu'à 1h du mat, il y a mon serveur NAS qui a bipé, et pour me dire, je suis en fin de vie au secours. C'est pas moi qui dis ça, c'est le serveur. Moi, je suis pas encore en fin de vie, je suis peut-être à la moitié là. Je suis à mi-parcours. Bah non, bah voilà, mon serveur qui a fait bip bip pour me dire qu'après, combien? 13 ans? 13 ans de bons et loyaux services, il a décidé de rendre l'âme, donc je ne sais pas comment je vais récupérer mes données à part en achetant un autre NAS de la même marque. Bah oui, parce que sinon ça marche pas. C'est compliqué. Bon, allez, on va essayer de passer un bon moment quand même. On va partir sur Farming Simulator 22 aujourd'hui. Bah ouais, rest in peace le serveur, je suis dégoûté. Salut Fafa! Ah, Fafa a oublié des lettres. Trop pressé. Merci Gaël. Bon, bah ouais, c'est chiant quand même. Bon, c'est un serveur qui aura fait son temps quand même, hein, 13 ans. C'est pas mal, 13 ans tourné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas quelle est la durée de vie moyenne de ce type de NAS. J'aurais dit une dizaine d'années. Merci Fafa. Salut Démon. Une dizaine d'années, ça me paraît correct, là, 13 ans. Bon, bah. Le problème, c'est que y a des données dessus. Bon, ça va que j'en ai pas besoin. C'est des films, des musiques, des photos. Bon, c'est pas perdu, quoi. Mais ça fait chier. Ça fait chier. On va dire ça comme ça. Bon, FS22, je voulais tester la map Colonia. C'est une map, je vous en ai parlé la dernière fois dans le dernier live, qui est sur le modhub. Je sais même pas si elle est toute plateforme d'ailleurs. Tiens, ce serait peut-être bien de commencer par ça, de regarder. Colonia. PC Mac seulement. Alors pourquoi PC Mac? Que dit la carte du modhub là-dessus? New Shade of Colors. Ah, il a modifié les couleurs de la map. Bon, on va aller voir ça. Il y a deux fermes, 93 champs. Ça a l'air d'être un peu style polonais. 137 farmland, du biogaz, une scierie, de la forêt, 5 points de vente, des terrains divers. Bon, on va aller voir. Production. Quoi? Carpenter? Ah, des charpentes? Bon, on va aller voir ça. On va aller voir. T'es malade, Cyril? Oui, c'est mon anniversaire, démon Dracos. Ouais, c'est aujourd'hui, ouais. Il y a 43 ans que je suis né. Allez, hop. Nouveau fermier? Moi, j'ai envie de mettre nouveau fermier, parce que souvent, nouveau fermier, on a les bâtiments de passé. On a un peu la vision de la map du modeur, puisqu'on a et les bâtiments, et un matériel premier prix sous la main. Merci, Salmon. Alors, bah, elle est là, Colonia. Oh, c'est moche, ça. C'est quoi? C'est une vraie photo qu'il a balancé un filtre Photoshop dessus, ou c'est... C'est spécial. Bon, on va voir, hein. On voit même pas le mot continuer là en bas. Tellement c'est crassou en dessous. Qu'est-ce qu'on va se mettre comme mode? Un course play, ouais. Un easy dev, bah évidemment, pour tester une map, c'est le minimum. Ah, les bâtiments. Ah oui, il y a les bâtiments. La carte vient pas seule. Ah oui, alors attends. Parce que le mec, il préconise quand même des modes. Alors, il y a les bâtiments. Et Farmhouse. Farmhouse. Alors attends, on va essayer de le retrouver celui-là. Donc, bâtiment de Colonia. L'autoroute universelle, bah. On va peut-être commencer par ça, non? Je dis, ça peut être pas mal. Un 1455, ouais. Putain, je fais mes courses, quoi. C'est ouf. Ah tiens, je l'ai pas enlevé celui-là. Maison de ferme. Je pense que ça doit être ça. Merci démon pour tes 100 bits. Pour mon anniversaire, c'est gentil. Ça me paiera. Alors attends, 1 dollar, ça va me payer un 500e de mon serveur. De mon prochain serveur. Vert en fait, je suis dégoûté. J'ai regardé, j'ai passé ma nuit donc à essayer de sauver le bazar. J'ai pas réussi. Bon, il est mort, il est mort. Et j'ai été surtout regarder ce que j'allais prendre derrière. Elle est là pour 500 balles quand même. Le café a du mal à passer ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Pack MX, pack Robert, non, pack Roland. Bon, attends, on va prendre des packs Univers Simu quand même. Ouais, le de Guillaume, un MX, un Emily. Ah, pack Sodimac. Mac. Mais pourquoi il est déjà là celui-là? Et il n'est pas censé être déjà là celui-là? Ah, on m'aurait menti. Ah, celui-là, j'adore. Ça, c'est mon chouchou, celui-là.
Tiens, ça, il faut que je vous fasse un test sur ce mode-là, la production revamp. Quelqu'un utilise ce truc-là? Ça marche bien? Ça raconte quoi? Je l'ai toujours pas testé. Je l'avais téléchargé pour vous faire une vidéo dessus. Salut, ça, est-ce que pour que tu fasses un mode, tu fais payer ou c'est gratuit? Bah, c'est gratuit, les gars, pour vous. Ah, ton serveur a rendu l'âme. Mon as a rendu l'âme après 13 ans de bons et loyaux services. Ouais, ça fait un peu chier quand même. Ça fait un peu chier. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Le Progress, le pack Vermeer. Oui, bah oui, le VCA minimum quand même. Allez, on va y aller comme ça. A besoin de maison de ferme. Voulez-vous sélectionner? Attends. Maison de ferme, mais je l'ai pas pris? Ah non, il est là. Hop là. Voilà. Est-ce que ce serait possible que tu fasses un Renault ou un JD 7930? Non. Désolé. Un Renault, il y en aura un. Un jour. Le mien. Je vais refaire le mien. Ah, il y a un Jaco qui arrive. Tu tues Jaco. Comment il va le Jaco? Ce sera un vieux, hein, par contre, hein, Flouze, hein. Un vieux, vieux, vieux machin. Pour console, oh, ouais, on fera une version Lizard. S'il y a que ça. Merci Jaco. Salut Jérémy. Salut TKC. Bon, elle en met du temps à se charger cette map. Ah, Matisse qui prend son resub 10e mois d'abo. Merci Matisse. Elle fait combien la map? Pour être aussi longue à charger. Ouais, c'est mon anniv aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a un autre là qui doit venir. Qui a son anniv aujourd'hui. Même date, même année. Bon, on va garder la tenue. Ah, toi aussi? Mais bon anniversaire, Flo. Flouze. Confirmé. Ouais, vas-y. Go. Les meilleurs sont nés le 28 décembre. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, il m'a fait peur, ce con. Salut, toi. T'as vu? Vous avez vu ce qu'il a dit? Ouh là là. Ouh, dès le matin, dès le matin, dès le matin. Et, ah, je crois qu'elle a eu un problème, il y a une fuite. Putain, on commence bien. Merci papa pour le sub offert à Flouze. Bon, une map polonaise qui commence sur une grande rue avec un abribus, c'est original ça. Bon, ah bah tiens, on voit le screen là qui a été pris apparemment par là, puisque je reconnais la petite camionnette. Oh, wow, allez hop. Ah bah tiens, allez vas-y. Fafa attaque, Fafa attaque. Enlevez-lui sa carte bleue, bordel. Oh là là, merci beaucoup, Fafa, pour tes 10 subs offerts à Trinox, à Franck, Laura, Iga, Hibou. Ouais, c'est marrant, ça, Hibou. Vista Booster. Darkslider, Anto, Caradoc, Marc PSG. C'est quoi, ça? Bleach. Merci beaucoup. Tu offres le même nombre de subs que l'âge de Bruno. Fafa, 43 ans. Oh, on a tous à peu près le même âge, ici. Bon, et il est pas mal son petit marché là, regardez ça. C'est pas vilain. J'aime bien là les dalles et tout au sol. Toutoum, toutoum. Salut le routier. Salut la bavure. Merci Fafa pour l'abo offert à Ju. Ju 860. Oui, même âge pendant 4 mois. T'es plus vieux que moi, toi, je crois, Fafa, non? Tu vas passer. Tu vas avoir le double 4 bientôt, c'est ça? Avant moi. Eh hey les gars, j'aime plutôt bien ces PNJ au mec. Attends, attends, non, mais attends, je voudrais pouvoir passer là. Je voudrais. Ah, mais attends. Comment on passe? Je voudrais aller dire bonjour à ce gars-là, là. T'as vu, toi? Attends. Ah, putain, j'arrive pas à passer. Ah non. Ah, putain, heureusement, il a pas mis de chaussettes. Fin avril, toi. Ok, 44 ans, fin avril. Toi aussi, tu es né le 28 décembre. Mais arrêtez, ça va être un rendez-vous des mecs qui sont nés le 28 décembre aujourd'hui ou quoi? Merci, Zut. Zult. En même temps, on regarde souvent les streamers qui ont plus ou moins notre âge. C'est vrai. C'est vrai, je regarde pas. Je regarde. Oh, si, je peux regarder des vieillards, mais je regarde pas les petits jeunes, j'ai du mal. Ouais. C'est pas un contron, c'est pas possible. Eh, regardez un peu les CPNJ, ils sont pas mal, hein. Il y avait la nana là dans l'abribus. Il y a celui-là. Bon, à part qu'il a.
Il a pas une tenue très réglementaire, mais franchement, ça passe plutôt bien, quoi. De loin, il passe vachement bien, le gars. Bon, là, le clodo, par contre, lui, il passe pas bien. Oh putain, mais... Non, mais c'est excellent. Il fait quand même un petit coucou. Avec son béret. On dirait un faux. On sait un faux, mais... Dommage qu'il bouge pas, les gars. Ouais, j'ai froid. J'ai froid. Quand je dors pas, j'ai froid. J'ai pas dormi. Merci Fafa pour l'abo offert à le routier sympa. Mais tous les routiers sont sympas, voyons. J'adore sa petite place de marché. Dommage qu'il parle polonais tous les gars, mais... Est-ce que c'est la voix du modeur? Ah! Oh là là! Bonjour. Vendez des bottes. Ça vous dit un petit tour dans les petites cabines d'essayage là qui sont derrière? Non? Je sais pas, moi je propose, tu disposes, hein. Je dis ça, je dis rien. Fatigue égale froid, ouais. Quand je suis fatigué, j'ai froid. Là, je suis gelé. Pour vous dire, je vais pas. Non, je vais tuer le truc, je suis encore en pyjama. J'ai foutu mon réveil ce matin pour faire le stream. La map n'est pas sur console, non. Je vous suis, madame. Hein. Mais tout à fait, monsieur. Je suis complètement d'accord avec vous. Ça dépend l'odeur. De quoi, dans la cabine d'essayage? Putain, il fait peur, lui, par contre. On dirait moi avec des lunettes de soleil. Peur? Ah, t'as plus de cheveux, quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, de lui. Oh, on peut prendre. Tiens, prends ça. On peut foutre le bordel. Ben voilà, un bon modeur. Oh putain, c'est génial, on peut foutre le bordel. Tu fais quoi dans la vie? Oh, je vais sur les stands et je fous le bordel. Eh, ces outils, ils sont pas mal. C'est des outils Giant, ça? Les lagueuses, là? C'est Poutine, on est dans GTA. C'est vrai, fais voir. C'est Poutine FS, tu crois? Mais le mec, il en a marre, il fait des 100 pas, en tout cas. Regarde. Il est hésitant, il sait pas... il sait pas trop, tu sais. Il sait pas trop, est-ce que je vais acheter une pince? Est-ce que je vais acheter le tailleur? Est-ce que je vais acheter une disqueuse? Je sais pas. Ouais, le tailleur est dans les assets FS? Ah, j'ai jamais vu. Un souffleur de feuilles, un aspirateur. Le mec, il vend tout et n'importe quoi, quoi. C'est Bazarland, le gars. Bon, eh. On fait un petit survol, peut-être? Attends. Petit survol de la map. J'aimerais bien savoir à quelle sauce on va être bouffé. Super force, ouais, on peut mettre, ouais. Mode survol, ouais. On va continuer après en ville. Hein. Je regarde juste vite fait comme ça. Aucun doute, hein, c'est polonais, hein, avec les champs en bande, là, comme ça. Tiens, c'est marrant, ça, il nous a foutu des balles de foin. Balles de paille. Mais c'est vraiment pour nous, on peut les prendre. Ah, collectible. Ouais. Ah, vous savez quoi, elle me plaît bien, la première arrivée sur la map et plutôt bonne impression. Comme on dit, la première impression est souvent la bonne. Attends, ça va vraiment au fond là où il y a une collision? Et il a fait les champs, le gars. Attends, on va descendre. Oh là là, je vais trop vite, je vais trop vite, je vais trop vite. Attends, il y a trop de choses à voir là. Elle me plaît bien là, comme ça, au premier coup d'œil. Elle est pas très grande. Pour moi, pour ma carrière solo, ça pourrait bien me plaire ça. Salut le dame. Vous avez obtenu tous les inémoticônes du niveau 3. Oh ben c'est bien, je suis au bled là non? Ouais, un petit peu, ouais. C'est scripté, les ouvertures, tout ça, de portes. Attends, feu. Non. On peut pas passer. Franchement, des petites thématiques. Regarde, le mec, il coupe son bois, tout ça. Alors, ouais, ouais, tu fais des plans. Ouais, tu fais des poutres. Parce que j'allais dire, tu coupes pas tes bûches avec une scie circulaire. Bah, tu peux, hein, mais... Ouais, non, c'est un peu long, quoi. Merci Fafa pour l'abo offert à Julien. Mais t'as pas offert un tout à l'heure, un J860, y avait pas ça tout à l'heure? Vous êtes combien des 860? Oh, une DS, ouais. Salut Sven. Oh, un collectible.
Vous avez trouvé une vache, il m'en reste 9. Et j'ai gagné combien? Ah merde, il y a le truc du course play dessus. Attends. 1000 euros. Ok. Merci Sven pour le follow. Bon, ici ça s'ouvre pas, hein. C'est une maison d'habitation. Normalement, j'aurais même pas dû y rentrer d'ailleurs. Un petit chantier, franchement, eh, pas mal le gars, il a même mis un petit peu de. Il a mis un peu de vie. Bon. C'est FS, ça bouge pas, mais regardez, quand vous approchez, les gars dialoguent. Ouh là là, encore une. Ah, c'est madame la chef de chantier. Ouh là 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 là. Quelle belle tenue vestimentaire. J'adore l'uniforme. Bon, il y en a combien? Il y en a 2 qui bossent et combien qui regardent? Ah, c'est. Ouais. Normal quoi. C'est normal. Tu fais. Sérieux, tu fais ça? Tu fais ton bois, t'es cassé avec une scie sur table? Mais ça doit être long, ton bois de chauffage. Tu peux pas faire avec une hache comme tout le monde? Bon, que tu coupes à la rigueur, que tu fasses tes tronçons, mais après pour débiter en 4, tu fais pas ça à la hache? Peignant. Bon, ils font quoi eux? Ils regardent, tu regardais le saut? Si je te mettais sur la tête, tu dirais quoi? Attends, feu rare. J'essaye, hein, j'essaye voir s'il y a une collision. Ouais, il y a une collision. Attends, bouge pas. Ah, bouge pas, bouge pas. Oui! Non, presque. Bon, c'est pas grave. Il bouge pas, le gars. Je te pique ta rallonge, hein. J'ai ton collègue qui en a besoin à côté, là. Tiens. Pour la cafetière. Pour la cafetière. Oh, je sais pas ce qu'il raconte, le gars. Ah, c'est ici qu'on mange. C'est pas mal. Moi j'aime bien, putain on peut tout, on peut foutre le bordel, tout, on peut prendre la cafetière. J'ai pas... J'ai eu que un café ce matin, il m'en faut plein. Salut lui Philippe. Tiens, collectible. Oh. Tu peux aller à l'étage pour voir? Putain oui. Oh, je suis sûr qu'il y a un collectible ici. Il y a même un monsieur. Salut toi. C'est un collectible ça? Ah oui. Trop facile. Eh, je sais pas, je trouve que même la baraque, je la trouve plutôt bien faite. C'est une map, j'ai envie de me promener. On a un puits. Eux, ils vont dire quelque chose. Regarde, t'imagines, tu mets le mode TP là. Eh, tu mets le mode TP. Tu... C'est quoi ça? C'était quoi? Il y a une radio? D'accord. Mais je sais pas si, où est-ce qu'il a eu tous ces assets là, mais je trouve que niveau finition, c'est pas dégueulasse. Là, j'ai presque envie de prendre l'appel et y aller quoi. Et tu veux faire un peu de RP? C'est dommage, on peut pas dégager les gars là? Parce qu'ils ont une collision. Là, tu viens. Attends, on se calme les gars, on se calme. J'ai rien fait. Eh ouais, tu mets le mode TP, regarde, tu viens remblayer. Franchement. Bon, c'est dommage qu'il y ait les deux guignols. Attends, je regarde s'il n'y a pas un trigger. Il n'y a pas un trigger pour les faire disparaître. On sait jamais, hein. Tiens, ce serait peut-être un petit message à lui mettre au gars. Alors, attends. C'est quoi? Ah non, c'est un collectif, ça. Putain, j'avais même pas fait gaffe. Putain, le mec a mis des collectifs partout. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas mis... Ce serait peut-être une petite suggestion à lui faire. Écoute, gars... Il a dit, elle est où la, où est la vodka? Bah j'en sais rien en fait. Le PDA ressemble à quoi? Un beau PDA. Alors ouais, ça fait un peu dégueulasse chez mon reshake derrière. Attends. Voilà. Tiens. PDA est pas mal. Il y a de la forêt. Et donc ce qu'on voyait là au fond, c'est bien des champs. Le mec a bien fait les parcelles, mais elles sont pas exploitables, tu vois. Je pense que sa collision de map, elle doit faire tout le tour là. Franchement, je sais pas comment elle est... Tiens, attends, deux secondes. Je vais juste voir comment elle est notée sur le mode hub. 4,5. Ouais, elle est bien notée. Et je suis pas surpris. Ouais, je suis pas surpris qu'elle soit bien notée. Attends, on va remettre le... Hop, voilà. Ah, attends. La map est prête pour un futur agrandissement, ouais, mais moi je la veux pour une partie solo. Quoique. Putain, dommage qu'on puisse pas ouvrir là par contre. T'as envie de rentrer voir le chantier TP avec un véhicule, tu sais. Même les granges là, tu vois, putain, t'as envie de rentrer. Eh,
Pour des assets, je trouve que c'est pas dégueu, hein. C'est pas des bâtiments que tu viens regarder que de loin. Ça fait pas la map fait avec des assets d'FS15, quoi. Comme on voit certains. Avec la dodoche. Attends, on est en Pologne ou en France, là? Par contre, ils connaissent pas l'enduit en Pologne. Ils terminent pas les maisons. Tu sais, ils mettent tout sur les murs, les coffrets, tout ça. Ah, alors attends, ça tire, là. Ah, lui, je pense qu'il doit être en train de miner du Bitcoin, vu comment ça défile. Bon, on va continuer. Ah, mon premier véhicule. Alors là, donc, visiblement, je suis chez moi. Non, pas ici, peut-être pas. Mais là, derrière. Attends, on va passer par l'arrière. Hop là. Ouais, je suis chez moi, là. Alors, j'espère que les portes, on va pouvoir les ouvrir. Oui, on peut les ouvrir. Oh, putain, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal faire. Une petite bâche par terre et tout. Normalement, c'est des Lada. Je sais pas. Ils ont pas que ça en Pologne non plus. Hey, c'est moderne, la Pologne. Bon, ça, ça s'ouvre aussi. Bah oui, évidemment. Bon, on a une batteuse. Attends, je vais juste switcher vite fait. Alors, on a une batteuse. En mode nouveau fermier, on a un tracteur qui est pas trop mal. En fait, on a que ça. Batteuse, tracteur. Et j'ai vu quelques outils. Bon, attends, on va aller voir. On va essayer de trouver le tracteur. Il est peut-être là-dedans. Attends, on va regarder par la fenêtre. Ouais, il est là. Attends, on peut péter un carreau. On peut aller cambrioler. Et même un petit... On a même un petit atelier. Alors, je sais pas s'il nous sert d'atelier réel. Oh là là, attends. On va mettre un petit peu. Il manque un peu d'huile de tracteur. Je mets un peu d'année blue. Hop. Ah, mon Richet, il a du mal. Regarde, il clignote. Ah, mais j'ai envie de le garder, mon Richet. Ah, il clignote. Il est pas à l'aise avec la carte. Bon, on n'est pas trop mal équipé. Ah putain, non, c'est un 125. Ah la vache. Ah là là. Ah la rapia. Le rapia. Où est-ce qu'on a des outils? Attends, des animaux ici? On met quoi ici? Grand javache, d'accord. Bon, attends, comme c'est une partie fake hein, pour l'instant, c'est que pour découvrir. Je vais. Attends. F9, c'est ça? Ouais. Je vais me mettre de l'argent. Et on va mettre des vaches juste pour voir un petit peu comment elles sont placées. Alors, on peut mettre 50 vaches dans cet enclos-là. Salut tout le monde. Merci David pour ton resub 8e mois. Merci beaucoup. Alors, on a mis des vaches. Fais voir un petit peu. Ok. Ah, elles ont une petite... Ah, ok. Elles sont en extérieur, les vaches. Ah, putain, non. Par contre... Ah, t'aurais pu tirer la pâture, mec. Ah, je veux bien qu'on soit en Pologne, mais quand même, t'aurais pu tirer ta pâture, tu vois. Tirer un tout droit là, là. Et puis faire un petit carré. Et pour 50 vaches, c'est déjà ridicule, là, ce que je suis en train de dessiner. Mais là, 50 vaches là-dedans. Oh non. Oh non. T'en mets 2, 3, 4... Pas plus, hein. 50, ça fait beaucoup, hein. C'est dommage. Oh, Madame Manon, qui vient poser son 10e mois. Merci beaucoup, Manon. Comment ça va, Manon? T'as foutu en PLS Wizmoat. C-O-U, C-O-O-O-U. Non, mais... N'importe quoi. Ouais, cette taille-là, c'est vraiment pour 50 vaches. Manon, j'ai pas eu le temps de t'appeler. Faut que je fasse. Mais ouais, oh une Manon. Maintenant ça va être pour vendredi, je sais pas si t'es là vendredi. Vendredi soir. Ou matin, c'est comme tu veux. Tu viens juste poser ton abo? Bah ça, c'est gentil. On teste une petite map, on regarde. Toi qui as envie de changer de map, tu vois? Non, t'es au boulot? Bon, on va trouver un moment, Manon. Toi qui as envie de changer de map, là t'as hésité avec Hofbergmann, c'est vrai que c'est un très bon choix. Mais là je suis en train de regarder une petite map polonaise qui s'appelle Colonia. Et sur le mode hub là tout de suite pour PC Mac. C'est pas mal hein. C'est pas mal hein. Franchement le mec a bien taffé. Pour l'instant tout ce qu'on regarde c'est plutôt correct. C'est plutôt correct. Et ça a l'air d'être une bonne map pour du solo. Les champs sont pas trop grands tu vois. C'est une map polonaise donc t'as les champs qui sont en bande. Ils sont pas trop grands.
Bon, il faudra juste qu'on regarde, c'est des animaux. Attends, pour l'instant, je regarde un peu les chemins. Je suis un peu perdu dans la map. Et si je mettais... Bah si, j'ai le PDA en bas. On va continuer un petit peu pour voir la ville, là. Alors, attends. Moi, je suis rentré, là, tout à l'heure. Donc, là, ça, c'est chez nous. Putain, le mec a un beau portail avec les picots en or massif, là. Hop. Je sors comment, ma batteuse, moi, de ça? Attends, on a même une lumière. Magnifique. Super. On a même l'électricité en Pologne. C'est génial. Ça, c'est chez les voisins. On n'a pas le droit de rentrer. Sauf si on veut chercher des collectibles. Je suis sûr qu'il y en a. C'est marrant, en Pologne, ils sont tous menuisiers, tu sais. Ils font tous des planches. Tu streams après, Manon, ou pas? Tu streams ce matin? Je vais faire une prédiction. Qui est-ce qu'on va raid ce matin? Alors, bah non, je peux pas ouvrir, je suis con, je suis pas chez moi. Hop là. Ah bah tiens, un collectible. Qu'est-ce que tu faisais avec ça, toi? T'as piqué les jouets de ton gamin? Tu croyais que la moissonneuse allait t'aider à tondre? C'est honteux. Confisqué. Sale gosse. C'est quoi, ça? Eh, mais ça, c'est pas les... Bah non, c'est pas les... Oh, 20... 22. Attends. Le mec, il a mis une plaque des Côtes d'Armor. Trop bien. Tu vas à la salle. Eh ben, va se porter, alors. Non, ça, c'est pas mes hangars. C'est dommage qu'ils soient fictifs, hein, tous ces hangars. Parce qu'ils sont, pas mal, hein, tu vois. Je me vois bien. Là, on a des parcelles derrière. Je me serais bien vu, tu vois, avec le hangar retourné. Avec les portes là, pour pouvoir ranger du matos. Ouais, ça aurait pu être bien. 22 pour FS22. Mais non, voyons, Fafa. 22 pour les Côtes d'Armor. Oh, un peu de patriotisme. Attends, y a un mec qui m'a engueulé. Vole pas des glaces, c'est ça qu'il a dit? Ah, il est là. Non, c'est pas lui. Pourquoi y a un mec qui me parle? J'aimerais bien ça. Il est rentré. Attends. Il est où le fichier son là? Qui est joué? Attends, ça affiche pas les fichiers son, ce truc là? Ah non. C'est bizarre, quand j'approche de la glace, ça me dit un truc. Quelqu'un peut traduire? Attends. Attends, faut qu'il rejoue le truc. Ah, il veut plus! J'ai cassé la bande, le magnétophone. Alors, on avance. Tut-tut. Même niveau décor, hein, le gars s'est foulé un peu. Hein. Poteau électrique, on a les lignes téléphoniques partout. Des petits bouts de village. Toujours pas rentré, c'est pas chez moi. C'est dommage parce que franchement, le mec s'est fait chier à faire des belles cours. Petit bâtiment sympa. Salut Nostromo! Elle a un peu de finition quand même, hein, la map. Alors tiens, attends, fais voir ces machins là. C'est pour moi ça ou... Ah, c'est du faux. Ah, dommage. C'est dommage. Ah, tiens. Un collectible. Bon, on l'a vu tout à l'heure celui-là. Je vais me remettre en mode survol. Attends, il revient là toi. Hop, hop. Attends, tout à l'heure on a fait ça, on est passé par là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à découvrir? C'est quoi ça? Pourquoi il y a de la bouillasse? Ah, il a fait... Ah, pas mal. Comme quoi quand même, alors je sais pas si c'est tiré d'une map réelle. Probablement, j'ai envie de dire, parce que quand je vois la gueule des parcelles, je me dis que ça se pourrait bien quand même. Hein. Ça sent la donnée satellite, ça. Avec le mec s'est fait chier à refaire des découpes de parcelles pour, comme dit Papa, sûrement pour l'agrandissement plus tard. Mais et le gars, du coup, je sais pas s'il a repris le relief, mais regarde, tu vois, ça rentre un petit peu là, et c'est inondé au fond. Eh, c'est pas mal, hein. Nas, qui c'est qui demande? Est-ce que c'est un Nas? C'est un truc qui se met qui prend feu à 1h du mat. Pour m'empêcher de dormir. Et c'est un truc sur lequel tu mets toute ta vie. Toutes tes données, tout ça. Et quand ça prend feu, bah tu pleures. Voilà. Ah. Ne me faites pas pleurer. C'est pas le moment. Le jour de mon anniv. Le machin, il a pas trouvé mieux, tu sais. 1h du mat. Tit, tit.
fais putain, c'est l'alarme incendie, qu'est-ce qui se passe? Je suis descendu en catastrophe. Et là, je vois le NAS, je fais ah non, ah non, non, pas ça. Là, tu vois, il méritait que je lui mette ça le serveur. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Il va trop bien, il va trop bien ce son. J'ai regardé mon NAS et j'ai vraiment pensé à ça. Oh non, pas ça. Pas oh putain. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Non, c'est un Synology, il a 13 ans. Il a 13 ans, c'est un DS411 Slim. 13 ans, 13 ans, H24, 7 jours sur 7. Voilà. Et il n'a jamais montré un seul signe de faiblesse. Déjà, pour récupérer mes données, alors il y a une procédure chez Synology pour récupérer les données si tu ne retournes pas chez Synology. Mais je suis tellement hyper ultra satisfait de Synology et des offres de Synology que je vais de toute façon repartir sur Synology. Pour moi, il n'y a pas moyen de prendre autre chose. Quoi. Ouais, après, j'ai un pote là qui bosse dans les réseaux. Alors, dans les réseaux plus grande échelle, hein, et qui disait un NAS, quand il a fait 10 ans, c'est bien déjà. Je pense que les MTBF des NAS, c'est 10 ans. Après, au-delà de 10 ans, si ça tourne encore, c'est bien. Mais là, il a... Voilà. Mais ce que j'aime chez Sino, Vincent, c'est vraiment la suite logicielle. Quoi. Ils ont des outils quand même où tu peux concurrencer Google en termes de service. Les mails, tout ça. Tu peux, quoi. Enfin, à l'aise. Ils sont super complets. Ils ont les applis mobiles. C'est un truc de ouf. T'as même la reconnaissance des lieux, des visages. Sur le comment leur appli photo. C'est vraiment génial, quoi. C'est des monstres. En termes logiciels, c'est vraiment des monstres. Putain, je sais pas, les gamins sont venus jouer sur des tombes. Ils ont laissé traîner leurs jouets. Vraiment, vraiment malsain, quand même. On a un cimetière. On peut même mettre de l'eau. Bon, du coup, je repartirai, je pense. Je vais garder le format compact parce que c'est quand même un truc que j'aime bien. Mon DS411 Slim, il tapait 6 watts. 6 watts à la prise. C'est que dalle, hein, quand même. Hein. Pour un NAS avec 4 disques durs, c'est vraiment que dalle. Et c'est ce que je cherche, moi. Hein. Je cherche un NAS qui consomme rien. Donc, je vais repartir, je pense, sur un 620 Slim parce que les 4 baies en Slim se font plus. Enfin, ils n'ont pas renouvelé depuis le 419, je crois. Donc, en 2019. Et il était un petit peu à la traîne, le 419. Par contre, le 620 Slim, donc c'est vraiment un petit boîtier. Du coup, hein, ça fait vraiment la taille de 6 disques durs empilés, mais des petits disques. C'est tout petit, ça consomme que dalle. Et par contre, c'est un Celeron qui est dedans. Donc on a un serveur avec des performances correctes. Du décodage temps réel pour du H264, 265. C'est pas mal. C'est pas mal. Elle est sur le modhub, la map? Oui, elle est encore en première page, je pense, du modhub. Bon, on a un cimetière. Attends, je vais peut-être voler, non? C'est quoi ça? Non, petit parking, dis donc, il y a du monde. Ah non, c'est l'église. Attends, on va aller voir à l'église quand même. Putain, même l'église est en chantier. Tout est en chantier en Pologne. Bonjour, en chantier. Il n'a pas l'air commode, hein, le gars. Faites gaffe, le curé est en train... Ah non, tu vas... Je t'avais prévenu, fais gaffe, le curé au vin de messe, là, il... salut Olivier. Bah ça va. Si mon as n'avait pas planté n'avait pas cramé à 1h du mat, ça irait beaucoup mieux, je serais moins fatigué. Ça doit se ressentir un peu que je suis fatigué. Les petits yeux là. Hein? Je suis en train de regarder l'écran, les yeux plissés, tu sais. Attends, je vois plus rien. En chantier, je m'appelle Teuse. Oh, cette démarche. Allez, vas-y, fais demi-tour. C'est un mannequin polonais, ça? Attention, j'ai mis une peau de banane. Putain, même les dalles, elles sont bien faites. On a des dalles comme ça dans FS? Putain, le relief est peut-être un poil trop marqué. Excusez-moi, monsieur, attendez, excusez-moi. Franchement, elle a été soignée, la map, hein. Non, non, les quatre disques durs, Vincent, sont bons. C'est le NAS qui est mort. C'est le NAS. Les disques durs sont... Le disque dur, en plus, je les ai changés il y a 2 ans.
il y a 2 ans. Et sur toute la vie du NAS, j'ai changé 2 fois des disques. L'intégralité des disques. Et là, les derniers sont... Ils ont 2 ans, donc ils vont repartir. Oui, oui, j'ai encore mes données. Potentiellement, j'ai encore mes données. Quand même. J'ai encore toute ma vie stockée. Enfin, j'espère. J'en sais rien, j'ai aucun moyen de vérifier pour le coup. On est où, là? On est là, on est sur la petite partie au nord. Ah, on a une étable. Ah non, c'est de négocier en bétail, pardon. Mais attends, on a quoi? On a quoi pour les bêtes, en fait? On a que dalle. Farm silo. Attends, c'est quoi tout ça, là? Pourquoi on a plein de matos ici, là? Je comprends pas. J'ai pas pu monter dedans tout à l'heure. On a un train. C'est pas mal. D'accord. On a un train produit laitier. Vous savez par quoi je vais commencer? Je vais peut-être commencer par acheter tous les terrains, comme ça on va avoir un petit peu des chaînes de production. Alors attends. Hop, ma ferme, ok. On a que dalle. On a que l'usine de biogaz pour l'instant. Je vais aller voir après. Non, car c'est du raid synergie, tu peux pas. Ouais, non, tu peux pas. Tout est en raid. En raid 5. Mais après, je peux, mais le problème, c'est que. Est-ce que j'ai 4 ports Serialata de dispo sur mon boîtier là? Je sais, je suis pas sûr. Si j'ai 4 ports Serialata sur ma config là, je peux essayer de récupérer les données. Mais de toute façon, comme je sais que j'aurai besoin d'un NAS. Ça, la question elle se pose même pas, je vais même pas tenter de perdre mes données, je vais reprendre un NAS Synology direct, quoi. Je vais pas me faire chier. Mais bon, encore 500 balles quoi. Bon, 500 balles tous les 10 ans, j'ai envie de dire, ça passe encore. Vu tous les services que ça rend. Putain, le négociant en bétail a un enclos plus gros que le mien, je suis jaloux. Salut mes mères. C'est chez moi ça? Ah, il semblerait. Ouais. C'est une partie de ferme. Alors attends, ferme, on est où là? Partie nord. Ouais, c'est la... On a 2 fermes. On a un corps de ferme là, et puis à choisir, je préfère largement être dans la partie nord. On est un peu plus isolé, on a des champs en plus à proximité. Ah! Attends. Oh non, c'était fausse. Grange à vache? Y'a un problème, chef. Ah, ça traverse en plus. Ah bah si on peut. Alors attends, si j'achète des vaches. On peut mettre 30. 30 vaches. Alors, l'enclos est plus grand. Ouais, il peut dans ma maison? Non? Oui? Ah oui, ici? Oui, il peut. Non, j'ai froid, Jaco. Attends, 30 vaches, mais l'enclos est plus grand que... Est plus grand que l'autre qui peut en mettre 50. Cherchez la logique. Y en a pas. Y en a pas. Alors attends, j'ai acheté des vaches, mais elles sont où? Elles sont où, mais... Bah... C'est bizarre. C'est fonctionnel, ça? Tournesol? Attends. Quoi? C'est une blague. C'est déclaré en tant que champ, ça? Putain, oui. Le petit potager, le mec, il a fait ça en mode... Bruno en mode hacker à capuche. Non, j'ai froid. Ah bah si on regarde. Je sais pas si vous voyez là, mais on voit bien une petite bande jaune là de tournesol. Le mec a déclaré ça comme des champs. Comment on fait pour acheter ça en fait? On achète le paquet? Ouais, t'achètes la ferme quoi, ok.
Alors ça, c'est quoi? Betterave sucrière, après, à côté. Bah non, c'est vu comme des betteraves sucrières partout. Maïs? Ouais, d'accord, ça c'est vu aussi. Tournesol, ok. Et là, pommes de terre. C'est marrant, pourquoi pas, un petit potager. Après, je sais pas avec quoi tu vas récolter ça. On va aller sur le mode up, trouver des outils pour récolter ça à la main. Bon, je pense que c'est vraiment que de la déco en fait. Enfin, je sais pas, surprends-moi le modeur. Il y a peut-être des outils comme sur Hofbergmann pour faire de la petite culture. Non, j'y crois pas. J'y crois pas parce que je me promène dedans là et il y a marqué tournesol. Or, non. Là, c'est pas du tournesol là. Bon, c'est pas grave. On s'en remettra. C'est pas trop ce que j'attends de la map. Hein. Bon, là, on a de quoi stocker. La map est bien, hein. Après, il y a des trucs qui sont pas très bien pensés, hein, sur les animaux. Ça va pas me donner envie de faire de l'élevage, hein, là-dessus. Hein. Si je peux même pas voir mes vaches. Génial, quoi. Et les vaches, le seul moyen qu'elles ont de rentrer, c'est la petite porte, là, quoi. Et de l'autre côté, elles ont pas de porte. Elles rentrent comment? Ah, c'est mal branlé, ça. Et puis, la hauteur, là... Ah, je suis pas sûr que je passe avec ma mélangeuse. Les mémères en statique, c'est bizarre, ouais. Ouais. Bah, c'est bizarre, surtout que si t'as pas de vaches, elles sont quand même là. C'est un peu con. Pour le coup, c'est un peu con quand même. Bon, attends, on va se remettre en survol vite fait. On va aller voir une autre zone. Bon, à part ces petits détails, pour l'instant, la map me plaît. Je trouve qu'elle est bien fournie, le relief est plutôt agréable. On voit que le mec a bossé un peu, tu vois, les rails sont pas bêtement posés au sol, tu vois, ça fait un petit petite butte. Non, le gars a creusé un peu son truc. Alors attends, là on est. Non, on est dans des parcelles exploitables, encore. Les petits bocages là. Le bordel là-dedans. Tu vois, il y a un peu de boulot. Si t'as envie de raser ça, bah tu peux pourquoi pas raser ça pour épandre un peu tes champs. Toutes les maps avec ce détail de vache statique, je comprends pas. Ah bah c'est la vision du modeur. Écoute, on va pas y taper sur les doigts. Alors où est la collision? Parce que là, je dois avoir donc la possibilité de passer avec mon véhicule. Et là. Non, il y a une collision. Hein. Ok. Attends, tiens, on va les afficher comme ça, on va voir. Ok, donc le gars a fait des collisions pour que de toute façon on puisse pas exploiter. Je suppose on peut pas les acheter non plus. Non, on peut pas acheter. Donc de toute façon, on peut pas venir avec un tracteur ici et faire quoi que ce soit. Donc pas de soucis. Ouais, mais moi je suis un truand, moi. Moi je passe par-dessus les collisions, je suis champion de saut en hauteur. Hop! On va aller voir un petit peu derrière. Oh! Oh merde! Attends, reviens, reviens. Ah, c'est quoi ça? C'est une belle map. À regarder comme ça, c'est joli. On a vraiment l'impression de regarder Google Maps là. Alors attends, nous on était là. On va redescendre, hein, on va redescendre. En même temps, peut-on mettre des vaches à l'attache autrement? Non. Enfin, non. Non, non. Elles vont forcément bouger sur la spline que tu lui as définie. Attends, il y a quand même un autre truc que je veux voir. Est-ce qu'on peut rentrer dans la baraque du coup? Hop. Toc. On peut rentrer dans la maison. Il y a peut-être Bobonne qui nous attend. Non, où est-ce qu'on dort? Oh! Alors, ça c'est mon déo. C'est du shit. C'est de l'engrais. Les gars, c'est pour mes cheveux le matin. Tous les matins, je mets un peu d'engrais dessus pour voir si ça pousse, mais ça veut pas. C'est con. Ah non, c'est du désherbant. Le mec se met ça sur l'arrêt du cul pour plus avoir de poils de cul. D'accord, ok. C'est sympa, mais ça fait très. C'est vraiment comme ça en Pologne? Faites-moi penser à jamais aller en Pologne.
Waouh. Salut Aurel. Putain, j'arrive pas à refermer la porte. Oui, c'est une map PC Dudu. Ouais. Oh, bah en fait, non, faites-moi penser à aller en Pologne, on est visiblement bien accueillis. Eh, pour celui qui veut jouer RP, hein, y a tout ce qu'il faut là. Hein. Allumer la radio? Non. La télé? Non. Y a même pas une petite PlayStation 5? Rien. Bon, où est-ce qu'on dort? Ah, ça doit être là. Je vais dire, faut avoir envie de dormir. Hein. Parce que pour passer les portes, le gars, il doit avoir une carrure, laisse tomber, parce que j'ai du mal à passer les portes. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Bon, on va arrêter, non? Bon, on peut dormir là. Ok. Allez. J'arrive pas à sortir. Je me bouffe les collisions. C'est horrible. C'est mon chez-moi, ça. C'est quoi ça? Une éponge? Elle est un peu crasse ton éponge, hein. Oh! Attends. C'était quoi la main là? Je pouvais prendre. Ah non, il me met quoi? Possédé par pomme de terre en cours de croissance? Non, c'est un muffin. C'est pas des pommes de terre. Salut Tazinou. Elle n'est pas cross-platform, le Bambi, puisque la map n'est que sur bonne PC. Fête déjà 7 mois de soutien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tazinou. 7 mois de soutien pour mon anniversaire, t'as vu ça? C'est beau. Oh, un train! Il est comment le train? Il est polonais ou pas? Attends, hop! Là, il trace! Enfoiré! Attends, attends, attends! Oh, attends! Ah, je peux pas! Ah non, non! Oh non! Sniff! Merci, Manon! T'es vieux? Mais non! Mais non, mais non! Je n'ai que 34 ans, Manon. Ah, je vais où là? Je suis perdu. Ah non, je suis là. Ok, on va arriver dans une autre zone. Ah bah on va enfin savoir à quoi servent tous les tracteurs là. Ici on a quoi? L'usine de biogaz. Hop, ok. Donc ça c'est acheté. Une fois qu'on a acheté le terrain, on a l'usine. Bon, là-dessus, il n'y a pas de surprise, vous savez tous comment ça marche le biogaz. Putain, il y a des sacrés bunkers. Waouh! Ah ouais, tu viens carrément foutre ton maïs là et puis on n'en parle plus quoi. Tu tasses ici, comme ça, t'as plus qu'à aller servir le bunker. Le biogaz. Pourquoi pas? 35. J'ai pas fait le calcul, Vincent, hors taxe, ce que ça faisait. Oh, ça n'a pas changé grand chose, hein, je pense. Je pense que même hors taxe, je passe la quarantaine quand même. Oh, regarde, y a un collectible. Dans un container. Coucou, toi. Putain, j'arrive pas à rentrer. Hop là. Non. Tazinou, déjà 38. Ok, on a des silos, donc pour aller sûrement remplir notre cher train. Oh putain, c'est quoi ce bordel? C'est the place to be ici, ok. Là, on vient tout déposer, toutes les marchandises. Si tu sais pas qu'ici c'est de la betterave, tape dans tes mains, franchement. Je suis sûr qu'il y a un petit collectible là par là. C'est quoi ça? Vas-y, je fous le bordel, moi. Putain, on arrive carrément. Le mec a fait carrément une ville. C'est pas vrai. Et avec les bâtiments et tout, les HLM. Waouh! Ah! Attends, non, je croyais qu'il y avait une. Ah, si, il y a une collision. Oh non! Oh non, c'est moche. Mais j'ai envie de voir, moi. Attends, attends, attends. Donne-moi mon survol, là. Attends, le mec a super bien. Merde, attends. Le mec a super bien taffé. Je veux aller voir ce qui se passe derrière. Comment ça, je peux pas voler plus haut? Tu rigoles? Elle est où sa putain de collision? Ah là, l'enfoiré, il a mis une double collision. Je suis pris dedans. Oh non! Je suis pris dans le rayon tracteur!
Putain, merde, je peux pas me sortir de la collision. Bon bah, hop, fuck. Fuck, fuck, fuck. On va être obligé d'y aller à pied. Alors, fais voir ces collisions, là. Putain, je peux pas passer au-dessus. Je vais aller voir ce qui se passe derrière, moi. Il veut vraiment pas qu'on aille derrière. Voilà, c'est bon. Nous sommes passés. Ah, d'accord, ouais, il avait vraiment pas envie qu'on voit ce qui se passe derrière. Les mecs, ils font n'importe quoi, regarde ça. Non, mais franchement. Bon, allez, on n'est pas censé voir. Allez. C'est bien déjà, franchement, d'avoir fait une. Putain, je suis encore pris dans. Ah non, allez, viens. C'est pas mal ce qu'il a fait. Hein. Ouf. Bon, là, je suis. Là, on peut m'amputer des deux jambes. Ça va, vous souciez pas de moi, hein, surtout les bagnoles. Hein, c'est rien. Je suis juste piéton. C'est pas grave. Ah, c'est vraiment la Tessie ici. Regarde ça. Quoique les. Non, non, ce serait la cité. On aurait les vélos qui seraient en vrac. Putain, mais le mec a mis un peu de détails. Hein. Là, il y a un gosse qui a oublié son jouet là. C'est pas grave. 1000 balles pour moi. Eh, mademoiselle. C'est encore la même. Je peux pas monter? Dommage. Attends, on peut pas faire Assassin's Creed là? Monter là? Hop, hop! Non, on peut pas. J'ai 15 demoiselles en équipe administrative et au retour j'aurai 30 PC portables neufs à configurer. Ouh, 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 ouh. Hey Manu, tu descends! La chance d'avoir un peu de PC à gérer. C'est pas mal. Tiens, il y a une porte qui s'est ouverte. Ah, attends, c'était quoi ça? Ah, l'arrêt de bus, petit collectible. Attends, on va trouver tous les collectibles en faisant juste un survol de la map. Alors, tiens, on est à la concession. C'est quoi ce bordel là? Pourquoi je peux pas prendre? Ah non, je peux pas monter dedans, dis donc. Je la veux. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne pourra l'avoir. Bon, Concess New Holland, hein, visiblement. Si vous n'avez pas deviné. Mais il y a des collectibles partout. C'est au cas où tu n'as pas assez de thunes pour aller t'acheter ton tracteur. Tu sais, tu arrives sur place, tu récupères les collectibles. Hop, c'est bon. Eh, hey, monsieur Grizzly! Salut Grizzly. Oh Grizzly, bordel. J'ai fait mal hier sur Elden Ring. Oh, grâce à toi, hein. Grâce à ton putain d'épée là, mais. Putain, je me suis fait un dragon et j'étais me refaire un autre boss. J'ai stoppé sur un arbre monde. Il m'a foutu deux raclées, j'ai fait bon. Je le garde pour plus tard, j'appellerai un ami. Hein, on va faire Jean-Pierre Foucault. J'appellerai un ami qui est bien équipé et puis on viendra te revoir l'arbre. Oh putain, on peut tout ouvrir. C'est parfait ça. On peut tout ouvrir, mais. Non, 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 ouvre la porte. Par contre, on peut pas prendre. Ah, c'est un Landini. L'enfoiré. Y a-t-il un message à faire passer? Les tracteurs. Le New Holland sont dehors. Le tracteur Landini, il est en rideau sur le pont, quoi. Non, non. Non, non, il est là. Il est. Alors, c'est marrant parce qu'il les a. Du coup, il les a mis à aucune ferme. Bon, il faudrait éditer l'XML et en fait les mettre dans notre ferme. Et en fait, tu récupères. Tu truandes de trucs. Tu récupères tous les tracteurs et la batteuse qui sont là, au shop. C'est bon. Oh là, c'est en pleine négociation là-dedans. C'est rare de voir des concessions d'une marque avec des logos qui sont pas tout baveux. Non, je dis ça parce que souvent on voit des concessions et. Alors, les bâtiments sont vieux et puis les logos sont tout crassous. Là, on arrive dans une vraie concession New Holland. Polonaise, bien sûr. Mais une vraie concession New Holland. Ah, il a l'air de. Je pense qu'il a fait. Tout à fait, ouais. Je pense qu'il a fait son chiffre d'affaires, le gars, vu le sourire qu'il a. Et lui, par contre, il est plumé. Il venait juste pour une caisse à outils, il repart avec un tracteur. Fais voir un peu. Combien la facture? Oh putain. Allez, tiens. 1000 balles. Oh.
Ah bah attends, attends, putain, mais il a foutu des connectifs partout. 1000 balles, 1000 balles, 1000 balles. C'est nickel ça. Je peux pas allumer ça. Non, j'ai pas la truc. Tiens, prends ça dans ta gueule. Attention, c'est dangereux. Hop. On peut ouvrir. Carrément, il y a l'atelier. Je suis sûr qu'il y a un connectif par là. Obligé. Il s'est pas quand même fait chier à laisser des portes ouvertes pour qu'il y ait rien. C'est pas possible. Tiens, c'était évident. Comment ça le connaître, hein, le modeur hein. Et là, tu viens et tu fous la merde partout. Non, on peut pas. Ah, dommage. Salut, Gamer Farmer. Non, Games Farmer, excuse-moi. Oh, putain, il y en a même deux, des collectibles. Oh là 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 là. Bon, allez, on va sortir de là. Je suis en train de pumer, le gars. Attendez, bougez pas, c'était quoi, un petit problème d'hydraulique, c'est ça? Bougez pas, monsieur. Voilà, c'est bon. Ça va marcher moins bien, maintenant. Bon, alors, on est où sur la map? On est là, on va à la prochaine zone, on va aller voir un petit peu la partie basse, ici, là. Énergie de biomasse, ok, on va aller voir. Ah, la station service qui te paye le plein, c'est super ça. Ah, ça vaut pas les cartes postales de Hofbergman par contre. Ah, je suis désolé. Mais non. Si on est pneus. Ok. Aspirateur. Ok. Bon. Ouais, petite zone. Alors, c'était quoi le truc là, attends? Ah, mais non, on n'y est pas encore. C'est encore plus loin là-bas. Tutut. Hop. Alors, il y a encore ce truc là, mais c'est encore du fictif. Petit tas de gravats. Pas mal fait. Avec des cailloux en lévitation. On se croit un peu dans Death Stranding là, mais. Avec plaisir, Grizzly. Ma vengeance sera terrible. Bah tu vois, je voulais la présenter cette map sur YouTube. Je crois que je vais même pas me faire chier. Je vais mettre le replay de la. Je vais mettre le replay du live de ce matin parce que franchement on fait le tour hein, de la map là. Hein. C'est pas mal. Hein. Tiens, regarde, encore un collectif qui est là. Elle me plaît cette map. Elle me plaît beaucoup. Le seul problème que j'ai, c'est l'élevage. Si je vais dessus, qu'est-ce que je fais comme élevage? Je vais pas faire des vaches, je vais pas toucher aux vaches parce que ça me plaît pas du tout comment il a implanté les vaches. Ou alors je mets un enclos perso. Je mets un enclos perso quelque part, tu vois, je me garde. Je me réserve une parcelle ou une série de parcelles là en bas pour mettre mes enclos. Puis une petite pâture un peu plus belle, un peu plus stylisée. Parce que à part ça, tout le reste c'est quand même vachement propre. Hein. On a les broyeurs, tout ça. Elle est bien finie, je trouve, cette map. Franchement, il y a des modeurs qui devraient prendre, ils devraient prendre exemple sur cette map. C'est bien fini, c'est fignolé. Tu vois, tout à l'heure, on était dans la cité. T'avais les vélos, ils étaient alignés. Ils n'étaient pas en train de se chevaucher, non. T'avais un vélo qui était un peu couché, qui prenait appui sur l'autre. Le mec a placé tous ses objets au millimètre près. Il a fait ça super bien. Il a dû passer un temps fou. Exactement, Salmon, on pourrait utiliser, pourquoi pas, les bâtiments de Massette là-dessus. Quoique ça ferait peut-être un peu trop luxueux sur une map polonaise, non? Quoique pour une map polonaise, elle fait pas trop délabré, je trouve. Pardon, monsieur, excusez-moi. Alors attends, là on arrive ici. Là on a un champ qui a une forme un peu bizarre avec un petit bocage aussi, là. Elle est marrante. Un peu de forêt. Tiens, on va regarder un peu la forêt. Il y a de quoi faire en forêt aussi. Hein. Limite, ça vaudrait le coup de mettre le DLC Platinum pour avoir le matos. Là, on arrive en collision. On arrive en collision, là. Attends, on va couper à travers la forêt parce qu'il y a un petit point d'intérêt, là. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, la Syrie. Ok. La Syrie qui est, on va dire, hein, qui est plutôt bien placée, quand même. Hein. Petite question. Est-ce que tu vas présenter la map de Cocorico? Bah, écoute, si elle est sur le mode up, pourquoi pas, ouais. On peut aller jeter un coup d'œil. Je teste pas les maps hors mode up pour une simple et bonne raison.
C'est que je regarde plus en fait ce que font les autres modeurs. Je suis plus sur Facebook à regarder tous les groupes, machin, toutes les pages, pour voir ce que tout le monde fait. Et donc, bah, soit Cocorico, s'il passe par ici, s'il veut me passer sa map, si elle est pas sur le modhub, je suis preneur. Sinon, bah, sinon, on ira la chercher pour vous faire plaisir. Il y a un petit collectible rose. Hop. Il se voit bien. Alors ici, c'est pas chez nous, hein. Non, on peut pas interagir avec. Tiens, c'est marrant, par contre, on a un champ 57 là qui est un peu bizarre. Pardon, excusez-moi, je voudrais passer. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a dans le champ 57? Ah, d'accord. Il y a eu quelque chose, mais c'est le bordel. C'est une parcelle qui demande à être tapée, hein. Tu l'as appelé, il y a quelques erreurs de collision. Il va la mettre sur le modem ou pas, sa map, Pico? Toujours en vacances, ça ne peut qu'aller à Trébat. Alors à Trébat, il paraît que tu es à fond Elden Ring toi aussi. Ah, attends, il y a mon téléphone qui me dit que j'ai un truc dans 10 minutes. Ah bon? Un mercredi? Récupérer les enfants à l'école? Oh, ça va! C'est des vacances, ça va. Non, sur son site ou sur King Mode? D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de. Elle a quelque chose de particulier, justement, pour ne pas être sur le mode hub? Comme Off Berkman? Alors, on est où ici? Qu'est-ce qu'on nous vend ici, monsieur? Alors, on est remonté, on est par là. Moulin à grains, ok. Alors, j'aime beaucoup la map, la polonaise, qu'on est en train de regarder. Le seul truc qui va peut-être manquer, en effet, c'est des points de production. On a quasiment rien en points de production, on a quasiment fait le. On a quasiment fait le tour. C'est quoi ça, TARG, là, Targ? C'est le marché? Ça veut dire marché en polonais, peut-être? Qu'est-ce qu'on peut balancer ici? PGR. Ouais, c'est le marché, donc on peut mettre les œufs, la laine, on peut mettre du lait. Ok. De la canne à sucre. Du coton, on peut vendre aussi ici. Le bois, non. Alors, les vêtements, je veux bien, mais j'ai pas vu de chaîne de production en fait qui prenait les. Qui permettait de fabriquer les vêtements. On est obligé de les poser nous en fait. Bon, après, c'est pas gênant, hein. À la rigueur, voyons le bon côté des choses. T'as pas envie de faire des chaînes de production avec des fringues? Bah, ça vient pas empiéter ta map. Après tout, c'est remplaçable. C'est pas pour rien. Bon, ça manque peut-être juste un peu de matériel de départ, quoi. Pour ceux qui commencent en mode nouveau fermier. On va aller jeter un petit coup d'œil sur la forêt, là, toute la partie forestière ici, la partie en haut à gauche. Reviens par là. Hop, moulin à grains. Merci le Lagravois pour ton cinquième mois d'abo Prime. Merci beaucoup. Eh ben écoute, bah, tout ça on peut dégager, hein. Alors attends, il a fait. Ah, c'est pas mal ça. Ok, il a fait une petite voie d'accès. Attends, on va suivre, hein, on va suivre. Ah, je le vois sur le PDA. D'accord, ça rentre pas complètement profondément dans la forêt. C'est une belle forêt quand même. C'est dense mais sans plus, tu vois, tu circules. Ah, collision, collision, collision. Ah bah oui, on le voit. J'avais pas fait gaffe, mais ouais. On voit les. Ça, qu'est-ce que je déteste ça. Mais bon, si ça peut masquer la misère. Mais je déteste quand même ça. Ah, merde, allez, on regarde pas. On ne regarde pas. Ouf, ouf, ouf. Oh, d'accord, j'arrive dans le champ de maïs. Attends, on va se remettre en survol vite fait. Tac, tac. Ah, attends, hey, regarde, encore un peu de TP à faire.
Chimia et pelle, tu sais, qui sont plantés. Genre, les mecs, ils sont. ils ont déterré tout ça à la pelle, sérieux? J'espère pas pour eux quand même. C'est marrant ces petites scènes de vie là qu'il a mis en plein milieu du champ, tu sais. Pourquoi pas? C'est rigolo. Je sais pas, vous en pensez quoi de la map? Elle est pas mal, hein? Ajouter de la déchetterie de Gwendal sur la map afin de virer les objets. C'est vrai. Ce serait pas mal. J'ai pas regardé après, peut-être sur la fiche. Je vais regarder vite fait sur la fiche du mod hub. Est-ce que le mec parle de, d'une future évolution ou pas du tout? Non. Non, la description est très très courte hein, dessus. Hein. Vraiment très très courte. Ouais. Ça va pas bien loin. Bah écoutez, je connais pas le modeur. Qu'est-ce qu'il a fait le modeur? Il a fait une autre map qui s'appelle Osada. Il est bien noté aussi. Putain, je l'ai pas testé non plus. Elle a été. Qui est sortie au mois de septembre. Osada. Qui a l'air beaucoup, beaucoup plus petite. Qui a l'air aussi calquée sur des données réelles. Elle est très bien notée. Hein. 4,4 sur 5. Pour 4149 votes. C'est que. C'est pas mal. La map elle doit valoir le coup d'œil quand même. On ira peut-être jeter un coup d'œil. Alors ce qui est marrant, c'est que comme il a fait deux maps, son train ici va vers Osada. Je sais pas si c'est des villes réelles. Faudra qu'on aille voir. Colonia Sio. Ah, attends, il y a encore un autre truc là. Ça va vers quoi là? Osada aussi, ok. Bon, il y a de grandes chances pour qu'il l'étende hein, quand même sa map. Hein. Quand tu vois que les champs ont déjà été préparés. Bah, le gars juste va repousser ses collisions. À replacer quelques bâtiments, peut-être, à réétoffer un petit peu, mettre un peu de forêt, un petit peu de bocage, un petit peu de haie par-ci par-là, un peu de talus. Et puis, paf, tu te récupères une partie de map assez rapidement. Puisque le gars l'a fait, de toute façon. Tout est là, là. Bon, on peut pas aller dedans, mais... Ah, je suis coincé. Non, c'est bon. Eh ben, j'ai bien envie de me taper une carrière solo dessus. À moins que je la mette en multi et que vous veniez jouer avec moi. On peut faire ça aussi. De quoi il parle hein? Tu l'auras un jour ce jeu, je suis sûr. De quoi il parle, Grizzly? De... Ah non, tu as pas Elden Ring? Ah bon, je croyais que t'étais en train de jouer dessus, Trebat. Non, mais tu regardes les... Tu regardes les... Eh, je crois qu'il était en promo en plus Elden Ring la semaine dernière. Il y est peut-être encore, non? Sur Steam. Et sur Games Planet, il y est encore. Pour 30 balles, je crois. 30 balles Elden Ring foncé, les gars. Faut y aller. Hein. Est-ce que vous voulez revoir encore d'autres choses sur cette map ou est-ce que je vous laisse là-dessus? Moi, je lui dis, à part le côté élevage qui est complètement mis de côté, le reste, je trouve que c'est une map qui est vraiment bien travaillée. Le gars a posé des bâtiments, il a fait attention à ce que les bâtiments qui soient posés sur la map soient pas de mauvaise qualité. Tu vois, enfin, quand je dis mauvaise qualité, c'est reprise de bâtiments, de vieux bâtiments. Et encore, je dis ça, et là, j'ai un bâtiment de Crassou qui est sous les yeux. Crassou, ouais. Ah, il a quand même mis le, il a quand même mis le Parallax Occlusion Mapping dessus, quoi, pour lui redonner un petit coup de peps. Mais ouais, c'est des vieux bâtiments, ça. Ah, tiens, viens par ici, toi. Hop là. Surtout ancien, ouais, j'ai envie de sortir du vieux matos, tu vois. Le... J'ai envie de sortir le 1455 là-dessus. Ah, encore un. Ah, bah oui, bah attends, attends, on va prendre, on va se servir. C'est bien, ces collectibles, ils sont sympas, ils sont nombreux, ils sont faciles à trouver. J'aime bien. Tiens, on va regarder un petit peu avec de la neige ce que ça peut donner. Météo. Nuageux, pluieux. Attends, on va se mettre en... Ouais, je vais me mettre en... Hop là, recharger la météo. Neigeux. Variation 4. Bam. Ah, attends.
On peut balancer de la couche de neige ou pas? Ah oui, ajouter de la neige. Épaisseur. Hop. Oh, attends, non, on remet ça encore. Voilà. Ah, les routes ne prennent pas la neige. J'ai pas ajouté de sel pourtant. Je crois que ça va être la première fois que j'utilise le Easy Development Control pour mettre de la neige. D'habitude, je passe par la ligne de commande. Peut-être que l'Easy Dev ne met pas de... ne met pas sur la route, ou alors le mec n'a pas mis de snow mask sur la route. C'est un peu con, parce que du coup, ceux qui aiment bien, je suis sûr qu'il y a des joueurs qui aiment bien... le mec, il est... il y a peut-être des joueurs qui aiment bien déblayer la neige, et du coup, ils vont être comme des cons, parce qu'ils vont pas faire... madame, vous allez avoir des enjures. Ah, par contre, il y a un problème, là. Va falloir vite être hors d'eau, hors d'air, hein, parce que la neige qui rentre dans le salon, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Bon, il y a quand même un truc qui me... Est-ce que vous avez vu quelque chose J'ai rien vu, hein. J'ai pas vu de script particulier qui fait que cette map n'est pas sur console. J'ai rien vu. Pourquoi cette map n'est pas sur console? Je comprends pas. Oh, à ce stade, à Trébat, ça peut encore prendre un peu de neige, va. Pourquoi la map est pas sur console? Peut-être le mec dit des insultes en polonais. Ou alors elle est pas optimisée. Peut-être des petits problèmes. Moi, de ce que j'ai vu, là, il n'y a pas de nouvelle culture, hein, non. Non, on n'a pas de nouvelle culture, on a rien. Je sais pas. Je comprends pas. Ah oui, un petit K700 là-dedans, à Trébat. Carrément. Carrément. Du vieux matos polonais. Et si on se faisait une petite partie 100% Pologne? Je vais enlever les modes univers simu, je vais mettre... Oh, je vais peut-être garder un petit pack de Ben quand même. Mais sinon, je vais mettre du 100% Pologne. Cet après-midi, tu lances enfin FS22. Ah, je serai pas là pour te filer un coup de main, parce que cet après-midi, moi, je suis off. J'ai du monde à la maison. Jusqu'à ce que j'aille trop de grammes et que je vois plus personne. bon. Ah, bah lui aussi, il va avoir du mal à repartir, là. Oh, le snow mask sur la tente. La DS, elle va avoir du mal à repartir aussi, je pense. Ils sont pas frileux en Pologne, c'est ça qui est bien. Hein? Noda. Hey, Noda. Ouais, t'es heureux, hein, en t-shirt, hein, sous la neige. Hein. Je t'aime bien, va. Tiens, tu vois, c'est un truc qu'il aurait pu faire, ça, c'est mettre... virer les éléments style, bah, style les personnages. Quand il y a de la neige, quand il fait trop froid en hiver. Voir limite, je sais pas si c'est faisable, ça, désactiver tout le marché. Enfin, visuellement, c'est faisable, mais désactiver les points de vente quand il y a une saison. Tu vois, genre, t'es en hiver, bah en hiver, il n'y a pas le marché parce que bah, il caille trop, que les légumes, tout ça, c'est pas de saison. Parce que là, les mecs, ton pain, excuse-moi, il va avoir... Je vais pas t'en acheter, tu m'excuses, hein, mais tu vas te garder tes bretzels, ton pain... Et tes donuts, parce que j'ai... Non, ça va pas le faire. Madame, non, ça va? Un jupette là-dedans? Eh bah, c'est du beau, ça. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est la nouvelle map pour 2023, mec, ta fille, je crois, ouais, je sais pas. Elle me plaît, j'ai bien envie de la poser sur la Steam Deck et... Ah ouais, très bête, ouais, transformer ça en marché de Noël, ça pourrait être pas mal. Mais ouais, je pense que je vais la balancer sur la Steam Deck et puis je vais jouer un peu dessus pour voir. Supprimer la neige. Ajouter du sel, tac. Ajouter du sel routier, 100 mètres. Hein? J'ai jamais vu ce truc-là. Je me suis jamais servi de ce truc-là. Ah bah voilà. Attends, on va se remettre en plein mois d'août. C'est quand même plus beau. Hein. Hop là. Vas-y, recharge. Wow, ensoleillé, oui, ensoleillé. Non, mais tu peux enlever la neige, hein. On est au mois d'août, là, hein. C'est fini. Ça y est, c'est bon, c'est terminé. C'est marrant, ça, c'est quoi, ça? Petit nuage, là. C'est des restes de neige? Il y a une espèce de petite brume, là. C'est marrant.
Sûrement un reste. Donc ouais, McTaffy, je pense que je vais me faire une petite partie solo et je vais voir avec les potos là, mais peut-être la mettre sur un serveur. Travailler un peu dessus. Je pense qu'elle pourrait être petite pour... Enfin, petite, je dis ça, mais non, quand même pas, non. Ouais, au-delà de 4 joueurs, je pense que tu vas être un peu à l'étroit dessus quand même. Pour faire un serveur commun, on va être un peu trop à l'étroit, je pense. Pour partir à 16 dessus. Mais bon. C'est le Season Pass 2. C'est peut-être la map du Season Pass 2. Bah, de toute façon, si la map est polonaise, ça va ressembler un peu à ça. Hein, dans le sens où on va avoir des champs qui vont être rectangulaires et tout en longueur comme ça, là. Dès qu'il y a une map polonaise, de toute façon, la configuration, c'est ça. C'est des maps tout droites. Merci, Fred. Merci, merci, merci. Ah ouais, 43 balais. La force de l'âge. Comment tu actives l'interface pour la neige, les champs? C'est un mode, oui, c'est Easy Development Control, ça. Où tu contrôles tout le jeu complet. Complet, complet, complet. Tu le trouves sur le mode hub, hein. C'est que PC, ça. Merci, David. Je vais profiter, t'inquiète pas. Il y a la campagne profonde de Coco qui est sortie. Elle est géniale, dommage, pas de crossplay pour ton serveur commu. Ah, bah oui. Bah oui, Ketchup. Je vais quand même aller la voir, cette map. Pourquoi pas faire un petit survol comme on fait là, ça peut être sympa. Bon les gars, je vais vous laisser là-dessus, je pense. Oh, mec, ta fille, bah alors, t'as plus trop de bière? Merci à Trébat pour ton 8e mois d'Abo Prime. Allez, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on va raider ce matin. Bruno Cotillon, bouteille de champagne, à bientôt. J'adore Miss Boat. Joyeux anniversaire Bruno Cotillon, bouteille de champagne. T'inquiète pas, ça c'est ce soir. C'est ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Tonton, c'est quoi son truc? On cherche une pépite. Ah, Sir Thomas! Oh, ça fait longtemps. Oh, bon, on va aller voir le Sir. Eh, dites à Sir Thomas qu'il faut qu'on fasse de l'ETS2 ensemble. Il faut lui passer le message, on va le taquiner un peu. Je prépare hein, le raid. Hein. Raid, c'est comment? Sir Thomas. Il y a un underscore à la fin. Ouais. Tac, allez, moi je vous envoie chez lui. Bon, eh ben en tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir ce matin pour mon anniversaire. Sors la moto Ride 4. Ah, pas là, non, là-dessus, c'est quoi ce que je vais faire? Je vais aller me recoucher. Non, je vais pas aller me recoucher, mais putain, je suis claqué là. Je suis claqué de cette nuit de merde avec le Synology là. Bon, je vais pas dire que c'est de la crotte-crotte parce que... Non, c'est une excellente marque Synology et j'ai toujours été un gros promoteur de cette marque, mais là, c'est vrai que ça fait chier quand même. Ça me fait vraiment, vraiment chier. Je pense que je vais faire mon achat là, tout de suite. Je vais partir sur un D620, DS620 Slim, donc la version mini du 620. Voilà, ça va être bien. Puis ça sera surtout très, très bien quand j'aurai la fibre. Bon, un jour. Tu vois, j'ai même pas la fibre pour mon anniversaire, je suis dégoûté. Merci CC24. Bon allez, je vous laisse là-dessus. Vous lui faites des gros bisous à Monsieur Sir Thomas. Je vais venir avec vous un petit peu parce que je vais encore venir le tanner pour qu'on fasse vraiment de l'Euro Truck Simulator 2 ensemble. Je vous ai dit, hein, c'est un truc que j'aimerais faire, venir faire peut-être quelques guests hein, sur la chaîne Twitch. Ce serait un très très gros guest hein, de faire venir Sir Thomas. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, on pourrait bien se marrer. Allez, je vous fais des gros bisous. Le décompte est lancé, je vous donne rendez-vous vendredi. Je sais pas si c'est le matin ou si c'est le soir. Bisous bisous, ciao ciao tout le monde. Direction une grande librairie. Bruno, comment ça va?